J'arrive bien à me contrôler. En fait, le sport, c'est vraiment un bon médicament parce que ça permet de remplacer les doses d'insuline. Quand on fait du sport, on a moins besoin de mettre de l'insuline. Donc, c'est vraiment utile le sport pour quand on est diabétique. Et je le vis bien, je me gère bien et j'ai des courbes parfaitement normales. Il fait un peu chaud, donc on va un peu baisser le nombre de kilomètres qu'on fait en course à pied. Donc on va privilégier le vélo. Ouais, parce qu'il faisait quand même assez chaud. Ça allait. On a fait 13 km en course à pied et 41 en vélo. Donc c'est une étape moyenne. Donc ça allait. Message d'espoir et de solidarité par rapport à tous les malades, pas que le diabète. C'est vraiment tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Il faut leur donner du courage et faut qu'ils reprennent confiance en soi. Tous les fonds qu'on va prendre dans notre association seront reversés soit à la recherche, vraiment la recherche fondamentale, donc pour guérir la maladie, pas juste pour la soigner, et aussi par rapport au matériel des enfants diabétiques qui n'ont pas accès à des soins meilleurs qui ne sont pas encore remboursés, ou alors à des projets sportifs de diabétiques. Il y a encore pas mal d'injustices, des personnes qui ne peuvent pas aller dans des écoles ou dans des métiers qui sont quand même interdits aux diabétiques. Le remboursement des soins, parce qu'il y a encore des soins qui ne sont pas remboursés ou alors remboursés sous condition. C'est-à-dire qu'il faut mal se gérer pour y avoir le droit. Et après, c'est pour rassembler l'ensemble des chercheurs pour qu'on trouve des cellules souches à réimplanter dans l'organisme. On n'a pas envie de vivre toute la vie avec des pompes ou des capteurs sur les bras ou sur les jambes. Donc c'est bien de se soigner, mais quand même c'est mieux de guérir.